Bonjour tout le monde, Sylvain Brousseau. Et Marie-Soleil. De la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, nouvelle capsule ouverture de bois. Petit changement dans notre setup. Vous allez voir, on s'est acheté un nouveau trépied. Étant donné la dernière situation. Et on filme avec un cellulaire au lieu du iPad. On essaye des nouveaux trucs. Fait qu'on, donnez-nous un petit ajustement. Ça se pourrait qu'on ait besoin de se réajuster au cours des prochaines semaines. Alors, t'es prête à commencer? On a quand même une bonne boîte, donc on va aller assez rondement. On commence ici. Le carnet d'Ali, le tome 2, la nouvelle école. On avait reçu il y a 2 semaines le tome 1. Mm-hmm. C'est un livre audio. Donc, on se fait lire l'histoire. Excellent. Alors, on pourra continuer à lire ça. Soit dit en passant, les livres audio sont de plus en plus populaires. Ils sont plus populaires au cours de la dernière année que les livres numériques l'avaient été. Alors qu'on a 60 titres, c'est plus populaire que quand on avait 300 titres de livres numériques. Alors, quand même. Ensuite. On a... L'âme de l'océan, l'épée de l'albatros. Donc, j'ai l'impression, en regardant la couverture, mm-hmm. c'est un livre qui a un mystère. Possible, alors. Un oiseau. Pour plus vieux, hein, comme on peut voir. Ouais. Ensuite, on y va dans la BD. Super Chien 6, la querelle de la forêt. Donc, l'histoire d'un policier qui se fait recoudre la tête d'un chien. OK. Et qui combat le crime. Super. On y va avec le genre de livre que tu adores. Le Fortnite Balade Royale, donc je pense que c'est, vu la couverture, un nouveau mm-hmm. comme qui arrive dans le monde de Fortnite. Alors, et essaie de se débrouiller. Aux éditions 404, qui nous ont donné beaucoup de livres sur Minecraft, donc qui ont été très très populaires, alors ça devrait être très bon également. On y va ici. Avec OMG, le tome 8, Écris-moi en PV. Donc j'ai vu le dos du premier tome. Une fille trouve un téléphone et réalise qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. OK. Mais elle ne décide pas de le rendre. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, on va voir la suite. Ici, on a... Escapade virtuelle, terreur maritime chez les Vikings. Donc, aux éditions Foulir, une moitié BD, moitié livre. OK. Moitié BD avec des images. Mm-hmm. Et pour ceux qui aimeraient un peu plus élever leur niveau de lecture. Super. On retourne un peu en BD ici. Avec Chi, une vie de chat. She's Sweet Home, le tome 9. Donc, un style manga, mais pas manga. Ah, d'accord, d'accord. Ensuite, ah ben c'est ici encore. Une défense d'entrée, mission rattrapage, de Caroline Héroux. Donc, on avait aussi les 10 autres tomes. Mm-hmm. Très populaire ouais. à ça. Et Caroline et Rouge, je vais me permettre, parce que je sais qu'on en a un autre ici. Oui, les pareils, numéro 4, les promenades matinales. Donc, c'est encore de Caroline et Rouge. Donc, je pense que ça va être le même style un peu. Mm-hmm, possible. La couverture se ressemble quand même. En effet, il y a quand même une ressemblance. Donc, ensuite ici, on va aller... Planète Hockey 2, sur les traces de Connor McDavid. Donc, de François Bérubé, un livre sur le hockey, visiblement, que je pense parle de la vie d'un joueur de hockey. Ah, d'accord. On y va avec ces deux-là ici, des mini-bigs. Hollywood Baboon et Sushi la sirène. Alors, donc, on connaît bien le principe des mini-bigs. On sait que ça va sortir assurément. Donc, deux autres à mettre dans la collection. On y va. Oh, petit documentaire! Raconte-moi le Cirque du Soleil. Donc, je pense que c'est comment le Cirque du Soleil s'est formé, quelques spectacles et à peu près tout ce rapport. La série des Raconte-moi est très intéressante. Toujours des beaux sujets, très, très bien faits. Ensuite, on a les Minutiques, la Reine et le Chevalier. Donc, un dérivé de la Guerre des Tucs, qui sont, comme dans le film, les petites premières années. OK. Est raconté en BD. Sous forme d'album. Je ne savais pas. Excellent. C'est bon. On y va avec nos deux derniers, jeunesse. The Amazing World of Gumball, qui est une série télé, le volume 2. Je l'ai feuilleté. Oui. Et c'est une histoire de Gumball, qui est un petit chat bleu. OK. Qui vit des aventures. Qui, là, je pense, c'est un monstre de jeux vidéo. C'est une série télé, ça aussi, hein, je crois. Oh, excellent. Et on va terminer avec... Bull et Bill, le tome 39, quand même. Quand même, parce que j'avais ça, moi, quand j'étais petit. Ben oui, je lisais ça. Il y a de la promenade dans l'air. Donc, une BD
classique de Boule et Bill. Et voilà. On y va du côté adulte maintenant de Catherine Bourgault. On va avoir l'appart de Ma nouvelle vie. On va le descendre un tout petit peu. Il faut qu'on se réajuste, comme on vous disait. On va le placer ici. Nouveauté qui nous a été demandée quand même par plusieurs usagers. On va avoir ensuite À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, donc aux éditions Albin Michel. On va avoir ensuite une autre suggestion, mais c'était assuré qu'on allait aller le chercher. Donc, Le Clan Picard, tome 3, Les ambitions d'Aglaé de Jean-Pierre Charlin. Les livres de Jean-Pierre Charlin, toujours très, très populaires. Ensuite, ici, Le Lambeau de Philippe Lançon aux éditions Gallimard. On va avoir de France Lorrain, le tome 2 de À l'ombre de la mine, Clara et Yuri aux éditions Guy Saint-Jean. On va voir Sylvie G qui nous offre un nouveau livre, cette fois-ci Les Narco-Chicks aux éditeurs réunis. Un autre livre qui ne restera pas beaucoup sur les tablettes, je suis pas mal certain. On va avec Carnet de fuite de Eliane Gagnon aux éditions Libre Expression. Dans les documentaires, on y va, la saison de baseball vient de commencer. Donc on y va avec Griffin, donc Mark Griffin qui nous donne un récit autobiographique aux éditions de Mortagne. On va avoir, on avait eu les chiens il y a 2-3 semaines peut-être, donc on a été chercher les chats cette fois-ci. Donc si vous aimez les chats ou les chiens, vous avez soit un soit l'autre. On va pouvoir voir dans le fond différents chats et qu'est-ce qu'ils en font, des champions, portraits de champions. On y va avec Stéphane Lévin cette fois-ci, métier explorateur scientifique, qui inclut le guide de l'explorateur. Alors, je vais être curieux, moi, de voir ça. C'est sûr que c'est le genre de voyage qu'on ne fait pas nécessairement, mais ça peut être intéressant aussi aux éditions de l'Homme. Celui-là, je risque, même si je ne suis pas un amateur de pêche, Martin Dallaire qui nous offre histoire de pêche, donc recettes et anecdotes savoureuses. Si vous écoutez Weekend Radio, vous connaissez l'animateur et vous savez que c'est un amateur de pêche. Donc, je vais être curieux de voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire là-dessus. Et on termine avec un autre livre de baseball, donc Baseball PQ, une histoire illustrée à ce moment-là aux éditions du journal. Et si je ne me trompe pas, dans le fond, c'est plein justement d'images du baseball, bien, surtout des expos, on comprendra, mais des différentes époques. Malheureusement, tu n'as pas connu ça. Non, mais je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Ben, tu vas pouvoir justement en savoir un petit peu plus sur le baseball, sur ce qui a fait vibrer les gens de Montréal, mais la province au grand complet. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte. Comme je vous dis, on a des petits réajustements au niveau de où placer le livre et ainsi de suite. Mais je veux dire, on est rendu à 80 quelques capsules. On devrait être capable de s'ajuster. Alors, merci beaucoup, Marie-Soleil. De rien. On se reparle très bientôt. Faites attention à vous. Au revoir.